Bonjour Président, une question sur les nouvelles collections et sur le nouvel maillot. Et combien c'est engageant, c'est une étape importante de voir décider chaque saison les nouveaux maillots de la GIA? Alors pourquoi choisir un nouveau maillot chaque année? C'est important parce que les fans l'attendent, ouais. Les supporters veulent connaître quel va être le nouveau maillot. Et chaque année, c'est sans perdre l'identité du club, il faut renouveler. D'une part parce que ça fait partie de l'économie du club, donc on a besoin de vendre des maillots, donc on a besoin de les renouveler. Mais il ne faut pas non plus que ça soit diamétralement opposé au précédent, parce qu'il faut une certaine unité dans les couleurs, dans le respect de l'histoire du club. Et combien c'est important la voix des supporters dans la décision des maillots? Oui, parce que ce sont les clients. Donc les clients, il faut qu'ils soient en adéquation avec les choix faits par le club. Donc il faut toujours tenir compte, et c'est pour ça que d'une part, on est obligé d'avoir deux maillots, ça c'est la règle, mais le troisième maillot est souvent le maillot qui permet de trouver sa clientèle. Quelles sont les pistes au niveau des styles sur lesquels vous adressez plus, vous êtes plus intéressé? Les pistes, c'est d'abord qu'il y ait une certaine continuité par rapport à ce qui s'est fait au niveau des couleurs, ne pas oublier que l'histoire est importante. Après, c'est tout en respectant l'histoire, s'il trouve une certaine modernité. La modernité, ce n'est pas forcément dans le design, mais c'est aussi dans la qualité du produit, dans la matière, dans tout ce qui fait que le maillot va être accepté ou pas par le client. Et qu'est-ce que ça doit raconter le maillot? Qu'est-ce que ça signifie porter les maillots de la GIA? Il faut d'abord qu'il raconte quelque chose au joueur. Il faut que le joueur, quand il porte le maillot, il sache qu'il est en train de porter les couleurs d'un club prestigieux, un club qui a compté et qui compte encore dans le championnat. Et ce club, c'est plusieurs, c'est les couleurs, c'est le logo. Nous, c'est la Croix de Malte, donc ça veut dire beaucoup de choses dans le club. Et donc, on reste sur ces valeurs-là pour que le joueur et le futur client, celui qui viendra au stade, s'y retrouvent.